It actually, oh no, even sound. No, I shouldn't shout so much. Then your ear will be damaged. How does climate change impact health? We can see a lot of events going on. Temperature increases, rainfall increases, drought also increases, and that have a huge impact on various diseases. Not only spreading of the infectious diseases, it's also causing malnutrition, meaning monitoring the access to food is Bonsoir à important. tous. Maintenant, nous allons parler du climat et des difficultés que nous voyons et l'impact du climat sur la santé. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de cela. Je vous souhaite la bienvenue. Comment est-ce que on va pouvoir se baser sur les systèmes de santé des HIS2 qui sont déjà détenus par les pays? Comment est-ce qu'on peut intégrer les informations climatiques dans les systèmes de santé et même faire des prédictions? Comment est-ce qu'on peut développer des outils d'analyse et comment est-ce qu'on peut intégrer les données climatiques et les données de santé dans le même tableau de bord? Nous avons besoin de faire des analyses parce que les choses ont beaucoup évolué entre-temps. Comment est-ce que les données climatiques impactent la santé dans le monde? Ce que nous faisons ici, c'est de rendre disponibles les données. C'est la première chose. Et ensuite, on va essayer de numériser les données et on va mettre cela disponible sur la plateforme. Mais si c'est difficile, nous avons déjà les applications qui s'occupent des questions climatiques, que nous appelons applications climatiques. On en a parlé déjà et nous allons encore plus élaborer là-dessus aujourd'hui avant de clôturer avec cette question le mercredi. Donc, il y a des outils que nous avons développés pour les questions climatiques. Comment est-ce qu'on peut intégrer les données qui sont déjà disponibles via dans les engins Google? Les données satellites, comment est-ce qu'on va intégrer tout cela, les combiner pour les avoir dans un seul et même logiciel sur une même plateforme. Nous en avons parlé un peu ce matin. Maintenant, on va essayer de parler du climat par rapport aux maladies. Donc, on essaie de sensibiliser les uns les autres pour voir la relation qu'il y a entre les données climatiques et les maladies dans le monde. Alors, nous avons développé un outil de modélisation des données qui combine les données climatiques et les données de santé, et nous avons eu des nouvelles venant de nos académies, et nous essayons de voir comment est-ce que nous allons mettre en place des plateforme pour pouvoir réutiliser et partager des outils de modélisation de données qui sont déjà disponibles. Et nous allons voir les expériences, les tests qui se sont déroulés, comment on va systématiser tout ceci, comment est-ce que les pays peuvent se l'approprier en utilisant l'approche du DHIS2. Voyons que ceci est nécessaire afin de pouvoir partager les connaissances par rapport à la modélisation. Nous allons en parler également le mercredi. Et pour les consultations également pour les différents pays, on va en parler par rapport à l'application climatique et les données de santé par rapport à la plateforme de modélisation. Donc, les dynamiques changent alors que nous parlons. Et pour cette session,
Ce que nous avons besoin de faire, c'est de pouvoir bâtir un réseau de collaboration. Nous avons 2 ans pour montrer les preuves de ce que nous avons pu faire et quel est l'impact que nous avons pu avoir et essayer de voir si c'est possible de voir ce que nous devons préparer, mais la question de savoir est-ce qu'on peut faire cela en un semestre? On essaie d'être le plus efficace possible pour avoir une bonne plateforme ou le plus tôt possible. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler de ces variables, les expériences que les uns et les autres ont fait et l'opérationnalisation des données par certains d'entre nous, afin de voir comment est-ce que nous pouvons influencer la vie réelle, pas seulement dans les laboratoires. Alors, voilà ce que j'ai montré ce matin. Je ne veux pas perdre encore beaucoup de temps parce que nous avons entendu la présentation des uns et des autres. Et donc, si vous avez besoin d'informations et de ressources, voilà les liens qui sont disponibles à l'écran. Il y a les vidéos sur YouTube. Il y a tellement de ressources disponibles par rapport à la question. Donc, il y a des gens qui se disent que Patrick n'est pas sur la liste parce que Patrick présente cette application 3 fois par semaine pendant plusieurs semaines. Et avant la présentation de pratique de Patrick, pardon, nous allons essayer de discuter donc, bien vouloir monter au présidium pour la présentation. John Lewis de l'ISP au Vietnam et le représentant du Laos qui est également là. Ok. Oh, Yes, let me introduce myself. My name is Virani. Je me I work présente, for the je m'appelle Virani. Department of Meteorology and Hydrology, Je Ministry of travaille Natural Resources and Environment, Laos. dans le département qui s'occupe des questions environnementales. About meteorology and hydrology, tropical storm, forecast, J'aimerais parler warning. des questions climatiques The et DMS is des an préventions. indicator and Le measure système on est meteorological and de hydrology notre earthquake and observation network have organisation est provided chargé de faire la real surveillance time météorologique assessment et hydrologique, floods, y droughts, compris les predicting questions tropical phenomena early climatiques warning in the whole country. dans This is tout le pays. flood early warning system. Voici le système And also d'alerte précoce have a station for flood early warning. que nous utilisons. And this is the early warning Et ici maintenant, vous voyez actually we call it la salle de manual, contrôle. automatic and manual data collection and Ici, nous reporting parlons de every collecte de données noon and afternoon. manuelle, en This plus, ensuite instrument l'utilisation des outils, l'analyse provides et early warning flash flood, le partage des données. Donc, Intermedia voici le flood système for d'alerte June précoce qui October a record water level.
commencé, qui couvre la période de juin à octobre, où nous avons essayé de prendre les informations sur le niveau de l'eau dans le bassin de la rivière chaque 2 jours. Donc ici, on a essayé de partager les questions de prévision et des alertes avec les différents départements de notre pays. Et les collègues ont fait part de ces informations aux agences du gouvernement que vous voyez à l'écran et quelques acteurs comme la radio, la télévision, le journal papier. Nous avons envoyé nos données aux organisations internationales également. Voici le rapport et l'alerte hebdomadaire par rapport au climat que nous fournissons. Nous faisons cela 3 fois par jour. Nous partageons les informations sur Facebook, YouTube, etc. Nous faisons des enregistrements à la radio également pour partager les informations qui nous sont disponibles et nous faisons également le partage d'informations sur les sites web. Voici la station météorologique et la station hydrologique au Laos. Nous avons également des connexions avec d'autres pays et nous partageons les données. J'aimerais parler du système d'information climatique du Laos. Le Laos est un pays qui se focalise sur la production et l'agriculture. Et l'agriculture dépend la plupart du temps sur la nature et il y a des raisons qui poussent la récolte à ne pas porter beaucoup de fruits et donc on n'atteint pas les objectifs fixés en matière agricole à cause des catastrophes naturelles, des épidémies qui frappent nos bêtes et nos troupeaux. Alors, nous devons rendre compte au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et au ministère de la Faune et de la Flore. Donc, ce ministère de l'Agriculture s'occupe des questions météorologiques, par exemple, et s'occupe également de plusieurs autres questions. Voici le système d'information climatique au Laos. Le système prend compte des données météorologiques et agricoles selon les contenus et la signification des données. Le système génère des données agricoles en analysant les données météorologiques et les données des semences. Alors, nous faisons un rapport par rapport aux prévisions. Et nous soumettons nos rapports chaque 7 jours, c'est-à-dire de manière hebdomadaire. Nous faisons des enregistrements par rapport aux données climatiques, les cas identifiés, etc. Vous pouvez voir l'application à l'écran. Ceci, c'est le processus de flux d'informations. Donc, il y a d'abord la section d'information qui est à la station climatique et à la station agricole. Puis, il y a maintenant le département météorologique et hydrologique qui prend les données et les 2 données sont mises dans un système informatique, puis à l'analyse et cela est transféré dans l'application avant d'informer les instituts ou les ministères auxquels nous devons répondre avant que l'information ne parvienne aux fermiers ou aux agriculteurs. Donc, voici comment est-ce que l'information météorologique est affichée. Et on voit s'il y a des hauts risques, s'il y a des températures élevées et on fait des calculs pour déterminer ce qu'il en est. Voici maintenant la publication des informations météorologiques. Donc, notre application s'appelle LAXA.
nous mettons l'application dans le téléphone. Et la première fois, quand j'étais ici, on a montré comment est-ce qu'il fallait développer le système LAXA et combiner ce système avec les informations du ministère de la Santé. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'on a besoin de leur donner des alertes précoces par rapport aux maladies comme le paludisme, etc. Et tout ce qui a rapport à la santé de la population qui est dans les zones. Donc, il y a les données climatiques dont je viens de parler et j'invite mon collègue pour continuer. Alors, j'espère que vous me suivez, vous tous. Alors, comme vous venez de voir sur la dernière diapo, comment est-ce que les données météorologiques sont envoyées partout, y compris le ministère de l'Agriculture, mais ils n'envoient pas cela au ministère de la Santé. Mais ce que nous faisons maintenant, c'est de permettre que le système soit utilisé dans le domaine de la santé. Donc, avant d'avancer, je vais donner un petit contexte par rapport à ce système-là. Juste une seule diapo. C'est juste pour vous donner un peu de contexte. Le DHS2 a été implémenté en 2013-2014, ça fait 10 ans. Nous avons rencontré plusieurs difficultés. Il y a trois modules en DHS2, un modèle agrégé, désagrégé, event, le modèle des événements, le tracker, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que nous sommes à une conférence en DHS2, nous connaissons les trois modèles. Et ce que nous avons dû faire, c'est de mettre toutes les informations en DHS2. Et ce que nous faisons marchait juste avec le département de la santé, y compris les questions de surveillance, les départements de la santé, du paludisme, et tous les autres départements. Et les données se retrouvent dans le DHS2. Vous savez, le DHS2 a un modèle de prévision. On essaie de faire la prévision des maladies, toi, et ça s'occupait juste des questions de santé. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est de pouvoir ajouter les données climatiques. Qu'est-ce que nous voulons faire? Et on essaie de voir quelle est la réalité des choses sur le terrain. Donc, nous voyons que le changement climatique est pertinent. Nous parlons du Laos, mais je vais parler de la Norvège également. Vous savez, à Oslo, il y a 3 ans, il y avait eu l'inondation ici. Vous pouvez demander à tous les Norvégiens. Même dans les métros, il y avait de l'inondation. L'eau entrait à chaque fois qu'on ouvrait même les portes du métro. Donc, vous voyez, c'est la même chose qui se passe au Laos parce que la saison sèche est courte, est longue, pardon, et la saison pluvieuse est courte mais abondante, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'inondations. Il y a des maladies hydriques qui atteignent les enfants, ce qui cause 5% des morts infantiles. Et c'est pour cela que nous avons essayé de voir comment est-ce qu'on peut entrer les données climatiques dans les cas d'utilisation dans le DHS2. Donc, nous avons essayé d'identifier quelques effets et comment est-ce que cela a de l'implication sur la santé des uns des autres. Il y a les traités sur la santé qui ont été ratifiés par le Laos et il y a 4 secteurs qui sont concernés. Si on parle du ministère de la Santé, cela n'a pas vu le jour en un claquement de doigts. On doit travailler. Ça n'existe pas seul et c'est pour ça qu'il faut travailler avec plusieurs autres ministères comme le ministère des Affaires intérieures et l'agriculture qui doit être prise en compte. Donc, on a essayé de travailler avec un ministère qui s'occupe des questions de l'agriculture, des ressources naturelles et quelques autres. Ce que nous faisons, c'est qu'on essaie de prendre en compte les données de santé et on donne cela au ministère pour que le ministère puisse être d'accord. Donc, nous avons également
les questions climatiques avec Save Children qui vient d'Australie. Et on essaie de voir comment est-ce que nous essayons, nous pouvons améliorer notre processus dans notre pays. Ce que nous faisons également dans le domaine de la santé, c'est qu'il y a 6 directions stratégiques et des cadres opérationnels. Maintenant, le DHIS2 a plusieurs données depuis 10 ans. Ça veut dire qu'on a plusieurs données agrégées et des données qui se basent sur les lieux où les maladies ont été détectées, pas seulement là où se trouvent les hôpitaux, mais là où les personnes se trouvent. Donc, ce que nous faisons, c'est que chaque fois, nous partons dans les villages pour pouvoir prendre les données du GPS et à chaque fois qu'une personne dit que j'ai telle maladie, on essaie de voir la localité d'où est-ce que la personne est originaire pour voir la réalité sur le terrain. Donc, nous avons essayé de faire des analyses. Nous sommes passés au-delà de l'application de cartographie où nous voyons plusieurs choses. Il y a de cela quelques années. Il y a la couche de la température qui permet d'avoir plusieurs informations. C'est bien, mais on n'a pas donné beaucoup de détails. Ce que nous avons fait, c'est d'essayer de donner les données. On a essayé d'extraire des données, les mettre dans le DHIS2. On avait les données et on se disait qu'il faut se focaliser peut-être sur la dengue, sur la diarrhée, etc. Et on essaie de voir la corrélation de ces deux maladies et voir s'il y a un rapport de cause à effet. Alors, voilà ce qui s'est passé. Et donc, on a mis en place une belle application. Je peux vous assurer que c'est une très bonne application parce qu'on peut avoir les données climatique dans l'unité d'organisation. Et nous avons comparé les données et on n'a pas vu de grandes différences avec les plateformes de données climatiques dans le monde. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de mettre en place la modélisation et le système d'alerte précoce en se focalisant sur les données en rapport avec la diarrhée et la dengue afin de faire des prévisions sur ce qui pourra se passer. Avant, on avait juste 4 types de données, mais maintenant nous avons plusieurs, pas que les données de la santé, mais plusieurs autres données. Et c'est pour cela qu'on travaille le ministère en charge des questions météorologiques afin qu'on puisse comparer les données et les comparer localement. Donc ici, voici le graphique. Oh, c'est vrai que c'est tellement petit qu'on ne voit pas les détails, mais ça permet de voir le rapport entre la maladie de la dengue et le climat et on voit les relations qui lient ces deux phénomènes. Maintenant, on ne pouvait pas aller juste au ministère de la Santé, il fallait chercher la collaboration de plusieurs d'autres ministères comme le département de questions météorologiques et hydrologiques. Et il y a d'autres ministères également. Donc, nous avons essayé de travailler, on s'est mis tous autour de la table pour voir comment est-ce que les données puissent s'agréger. Et il y avait des difficultés. Il y a des données qui viennent de plusieurs départements et ce qu'il faut faire, c'est les intégrer, ce qui amène plusieurs autres difficultés parce qu'il y a plusieurs donateurs. Il y a des gens qui fournissent des équipements et chaque équipement, chaque donateur a son application. Il faut trouver le moyen de pouvoir intégrer toutes ces données-là ensemble et les envoyer. Donc, on a eu une réunion, on s'est demandé comment on va faire pour pouvoir intégrer les données venant de tous ces ministères et on a essayé de voir ce qui a été fait dans le domaine de l'agriculture et on a essayé de combiner les données et par exemple, on se dit que voilà, il y aura tel phénomène climatique, alors il faut faire ceci ou cela
Et on prend les données venant de plusieurs sources et on essaie de travailler de concert afin de pouvoir implémenter les données de la meilleure des manières possibles. Alors, voici le processus. Le premier processus, c'est que toutes les données ont été mises dans le DHIS, que ce soit les données de surveillance des maladies, les données météorologiques, et cela est envoyé à eWorks, c'est le système qui s'occupe des prévisions et il renvoie les données dans le DHIS. Ceci a été fait pour qu'on puisse s'occuper de la question d'alerte précoce. Maintenant, avec l'Université d'Oslo, on a encore travaillé et il ne fallait pas juste mettre les données des différents départements, mais d'autres entités également. Donc, on ne s'occupait pas juste des questions de prévision et des maladies, mais on couvrait plusieurs autres aspects. Je crois que la semaine dernière, on a essayé d'installer les différents modèles d'utilisation. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé avec deux ministères au niveau départemental, c'est-à-dire il y a d'abord signature d'un mémorandum d'entente, mais lorsque cela va avancer, on pourra aussi mieux partager nos données, avoir les informations et avoir de bonnes études sur le terrain et donner des feedbacks pour pouvoir avancer. Je crois que c'est ce que je peux dire par rapport à notre présentation. Nous n'entendons pas très bien l'oratrice. Madame Christine est loin du micro. Hello. Okay. So, my question is this, Alors, which voici ma question. models did you employ Quel for your modèle business? de prévision avez-vous implémenté durant le processus? Parce que, du point de vue des données scientifiques, je dois parler de mes prévisions avec beaucoup de confiance en disant que voici ma marge d'erreur. Parce qu'évidemment, quand il y avait des prévisions, les gens vont poser des questions. Est-ce que vous pouvez nous partager les modèles de prédiction que vous avez utilisés? Bon, ce que je sais, c'est qu'il y a deux modèles de prédiction qui sont utilisés par Gutenberg et on a le personnel qui essaie de faire des études. Il y a des modèles à Barcelone qui sont utilisés et nous, on essaie juste de tirer le meilleur de ces modèles de prévision parce que on ne maîtrise pas. On se focalise plus sur la question de la santé et je ne suis pas alors la meilleure personne à répondre à cette variable. Ce qui se passe, c'est que nous avons les données météorologiques pendant plusieurs années, les données de santé pendant plusieurs années, et j'ai cru vous entendre dire que vous utilisez les données historiques. Et je dis que ça, sur la base de ces données-là, vous faites vos prévisions, n'est-ce pas? Parce qu'on aurait dit que vous êtes dans une phase expérimentale et c'est prometteur, mais en réalité, vous ne faites pas une analyse historique des données disponibles. Mais c'est ce que nous essayons de faire. Au Laos, durant les 10 dernières années, on a pris des données et ce que nous faisons, c'est qu'on se base sur ces données et cela marche pour les années en cours. On utilise 2022, on compare cela avec 2023 et ainsi de suite. Comme j'ai dit, on prend maintenant ces données et on essaie d'avancer encore plus. Une chose est de pouvoir évaluer les données et il y a les données historiques qui sont disponibles, mais maintenant, il faut essayer de tirer profit de ces données-là. C'est ce que vous voulez dire? Nous n'entendons pas très bien l'orateur.
Ce que nous faisons, c'est qu'on compare les données des 10 dernières années. Donc, présentement, on compare 2023 et 2024. Si des données marchent pour 2023, on essaie de voir ce qu'il en est pour la nouvelle année qui est 2024. Nous n'entendons pas très bien l'oratrice qui semble éloignée du micro. Nous, on aimerait entendre l'histoire des pays. Ken, on va changer la diapo. Et il y aura des présentateurs qui vont suivre. Bonsoir. J'espère que vous voyez bien mon écran. Alors, super. Je m'appelle John Gemanda de l'Université de Malawi. Je viens du département qui s'occupe des questions météorologiques. Il y a mon directeur qui est également là. All right, so we'll talk about the processes that we currently engaging in trying to set the climate and health conversation going in Malawi. So initial steps, so just looking at the intersection of climate and health, and then also climate and malnutrition, and then climate and infectious diseases as well, and then oh, Malawi, on essaie de voir les questions de climat, de nutrition. Alors, des questions liées. Certains points ont déjà été abordés. Nous allons voir une intersection du climat et de la santé pour voir l'impact qui est susceptible d'avoir lieu. Et ça pourrait être, par exemple, l'augmentation. L'augmentation de la radioactivité qui pourrait impacter les enfants qui sont nés, impacter l'air qui devient pollué, mais également, ça peut également donner lieu à des événements comme la sécheresse et les inondations. Après, il y a des maladies comme choléra, paludisme. Et avec la sécheresse, vous avez par exemple la malnutrition. Maintenant, avec le cas de la malnutrition, un de nos objectifs, comme ça a indiqué, 23% des décès des enfants sont dits à la malnutrition. Il y a aussi des enfants, 4%, qui souffrent de retard de croissance. Et plutôt 37% des enfants qui souffrent de problèmes de retard de croissance. Donc, il y a des problèmes climatiques affectent les ménages. Par rapport à la qualité de la nourriture et à la production qui est réduite, ainsi de suite. Quelque chose qu'on a tiré de la conversation que nous avons eue, il y a toujours des lacunes malgré les efforts déployés. Il y a par exemple une augmentation des cas de malnutrition. Vous savez, il y a eu une mauvaise utilisation des informations climatiques pour les prévisions. Et il y a également une analyse faible des données au niveau des districts et au niveau de ce district pour, n'est-ce pas, prendre les bonnes décisions. Alors, ce que nous essayons de faire, nous sommes en train de tirer profit de DHSD pour
tirer des informations à partir de différentes sources et puis construire des capacités de prévision, système d'alerte précoce. Il y a la salle de cartographie qui a été, n'est-ce pas, développée. Il y a aussi des autres systèmes d'information très utiles où vous avez des données pour la gestion communautaire de la malnutrition aiguë. Il y a également des MIOC où des gens sont formés pour prendre des mesures MIOC. Il y a également le système d'information nationaux qui collecte des informations et qui sont basées sur DHS2. Et nous soutenons également le système de gestion d'information agricole et qui fait l'évaluation de la situation alimentaire. Donc, on essaie d'évaluer les besoins en matière de nourriture. Et c'est pour une période donnée, on se base sur le nombre de personnes qu'on trouve dans un ménage et on détermine si tel ou tel ménage peut être classé parmi les ménages qui ont des problèmes d'alimentation ou pas, donc qui font face à l'insécurité alimentaire ou pas. Donc, on essaie de tirer des informations à partir de ces différents systèmes. Par ailleurs, John a, comme John l'a dit, il y a le eWALS, un système similaire de l'OMS est en train d'être implémenté au Malawi en collaboration avec la section de santé climatique et du ministère de la Santé pour soutenir l'opérationnalisation de ces systèmes et d'encadrer des districts où il y a eu des études pilotes. Bon, les études pilotes ont été lancées. Il y a une discussion qui est en cours par rapport à l'utilisation du même système pour le choléra. C'est un système séparé. Ce n'est pas le système agrégé, c'est un système de gestion d'informations sanitaires. On aimerait intégrer des applications eWALS dans le système de gestion des informations sanitaires afin qu'on pourrait avoir les prédictions, les données au même endroit. John a également parlé de l'application DHS2 Climate. On essaie de tirer profit de cette application et voir comment on peut incorporer des données climatiques dans les plateformes nationales des DHS2 qui sont en place. Comme je l'ai dit, nous soutenons le ministère de l'Agriculture. Alors, dans notre collaboration avec ce ministère, vous savez, ils nous ont donné la permission, ils veulent avoir cette application. Et la raison, vous savez, avec le Malawi, vous avez des moniteurs qui font partie des mécanismes de collecte des données climatiques dans le pays. Par ailleurs, nous avons impliqué dans le développement des systèmes d'information aussi la santé communautaire. Et vous voyez, toutes ces captures d'écran nous viennent de là et nous essayons de voir comment interagir avec ces données. Et puis, on essaie de voir comment on peut en tirer profit, surtout avec le système de gestion d'informations sanitaires, mais aussi avec les serveurs de production. Maintenant, avec les données qui iront, ça nous aide avec les jets de données. Il y a également des efforts visant à tirer profit des jets de données locaux avec les services de météorologie. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Charles qui va continuer. Merci beaucoup. Je vais commencer par là où il s'est arrêté. On ne l'entend pas très bien. Je ne sais pas, si peut-être qu'il est loin du micro.
Okay, so Alors, je vais parler de la collaboration intersectorielle qui est actuellement là-bas depuis 2016. Le département travaille avec le ministère de la Santé ainsi que le ministère de l'Agriculture à travers le cadre mondial des services climatiques implémenté au Malawi et en Tanzanie. C'est un projet. Les images que vous voyez, il s'agit des sessions de formation. Nous formons les acteurs pour qu'ils sachent comment on exploite les cartes qu'on a développées. Donc, l'intention, c'était d'améliorer la gestion des risques sanitaires liés au climat, améliorer le secteur de la santé, sa capacité à utiliser les ressources climatiques, mais aussi renforcer les services climatiques. Le ministère de la Santé, à travers l'OMS, travaillait en étroite collaboration avec notre département pour voir comment ils pouvaient faire les activités qu'ils sont en train de faire en utilisant les informations climatiques que nous fournissons. À travers les mécanismes de collaboration, nous fournissons. Nous fournissons des informations d'alerte précoce au ministère de la Santé et au ministère de l'Agriculture, sans oublier les autres institutions. Particulièrement avec les cartes que nous avons développées. Nous avons développé des indicateurs, surtout liés aux épidémies de paludisme, en utilisant les données climatiques que nous avions collectées. Les images que vous voyez, donc la photo que vous voyez, c'était à l'occasion d'une formation d'intention d'un district qui se trouve dans le pays. On formait le secteur de la santé pour que le personnel puisse savoir comment exploiter les informations climatiques. Donc, on a également soutenu le ministère de l'Agriculture pour un format les moniteurs agricoles pour qu'ils puissent savoir comment tirer profit des informations climatiques afin d'augmenter les récoltes et ainsi minimiser les taux de malnutrition. Voilà un exemple des cartes qui ont été générées. On a pu, n'est-ce pas, gérer les crises de paludisme. Et ce sont des informations qui pouvaient être utilisées par le ministère de la Santé pour, n'est-ce pas, qu'il planifie à l'avance et ainsi attribue les ressources nécessaires au moment opportun. On a également essayé d'analyser les prévisions climatiques et saisonnières pour mettre en place un système d'alerte précoce, surtout concernant les épidémies liées au choléra et au paludisme. Il y a également des bulletins agromètres qui donnent des directives aux agriculteurs afin qu'ils puissent se préparer à l'avance. Et ainsi se préparer à toute éventualité. Et il y a également des prévisions climatiques pour les secteurs agricoles, surtout les 8 secteurs agricoles qui se trouvent dans le pays.
On essaie de créer des prévisions climatiques pour chaque province afin que elles puissent faire leur planification à l'avance, surtout s'adapter aux événements climatiques et météorologiques. Au même moment, nous partageons des données liées aux infrastructures. Il y a aussi la production d'informations entre ces secteurs. Nous avons généré une carte des risques climatiques et j'ai déjà parlé des prévisions, des perspectives climatiques et saisonnières. Et au même moment, nous avons également généré des indices climatiques, surtout avec le débit, avec la fin, la longue, plutôt la durée et le nombre de jours sans pluie, afin que le secteur de la santé puisse tirer profit de ces informations. Parce que nous savons qu'avec ces informations, il peut y avoir des directives par rapport à la capacité des agriculteurs et si ça peut aussi montrer l'impact sur le secteur de la santé. Voilà maintenant les bénéfices de cette collaboration. Vous savez, ça a augmenté notre capacité à anticiper, à répondre aux problèmes sanitaires causés par le climat. Ça a également renforcé les capacités et les connaissances, et surtout pour les professionnels à travers les ateliers. Ça a aussi permis au grand public d'avoir davantage d'informations sur les impacts du climat sur la santé. Nous formons des intermédiaires qui forment après les agriculteurs par rapport à la prise de décision liée à l'adaptabilité au climat. Donc, il y a des informations climatiques qui informent ou qui éclairent les décisions en matière de planification sanitaire. Maintenant, par rapport au partage de données, actuellement, je dirais que, en se basant sur les besoins de cas d'utilisation, il y a des personnes qui demandent des données pour un besoin spécifique, mais au même moment, nous partageons seulement des produits. Il y a également des exemples de partage de données avec le ministère de la Santé, et dans le domaine de MADEF, de WASH, mais également des estimations de production agricole. Maintenant, il y a des défis auxquels nous faisons face malgré les succès enregistrés. Il y a des problèmes, notamment en matière de collecte de données. La collecte n'est pas appropriée parce que il y a des zones rouges où il n'y a pas de point d'observation vraiment en bon état pour assurer la bonne surveillance et le bon suivi. Il y a également une intégration de données qui n'est pas consistante. C'est difficile, vous savez, ça prend du temps pour nous de nous assurer que toutes les données sont synchronisées dans un seul format. Il y a également des défis liés à la coordination dans le projet avec le ministère de la Santé. Il y a eu beaucoup de défis. Par exemple, comment le ministère de la Santé pouvait tirer profit des données climatiques que nous fournissons. Donc, c'était quelque chose de nouveau à apprendre, mais c'était pas facile. Il y a également le défi lié à la disponibilité
des fonds pour mener des recherches. Les stratégies pour la collaboration future afin d'améliorer la collecte, l'intégration et l'analyse des données. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire, améliorer les capacités en matière de collecte, d'intégration et d'analyse de données. Nous devons également identifier et garantir des sources de fonds à long terme pour soutenir la collaboration qui est en cours, créer des politiques exhaustives qui intègrent des informations liées au climat et à la santé. Et nous devons également mettre en place des groupes techniques de travail sur le climat et la santé. Donc, nous attendons avec impatience des partenariats et des innovations. Tout au long des présentations, j'ai vu vraiment beaucoup d'opportunités. En tant que, vous savez, département, nous pouvons nous engager dans ces partenariats afin d'avancer. Alors, nous devons étendre l'application climatique de DHSD pour tirer profit des données climatiques locales, en les intégrant dans les librairies de données, IRI, Developed Data Library. Nous voulons également intégrer des outils. Dans le NAMIS. Il faut également développer de l'instance DHSD pour le reportage des observations, parce que les observations qui viennent des centres sont collectées mensuellement. Mais nous sommes en train d'essayer d'automatiser la collecte de ces observations afin que ça ne prenne pas autant de temps. Voilà un exemple d'une session d'orientation sur l'utilisation des cartes qui a eu lieu à l'Université de Malawi avec nos collègues. Et ici, c'est au niveau de notre bureau où nous avons invité nos collègues de l'Université du Malawi afin qu'ils puissent voir comment nous travaillons. Merci beaucoup. Facilitate the data sharing among between the meteorological services institutions and the Ministry of Health. On a du mal à entendre la personne qui parle. Oui, Sharing voilà, spirit. c'est mieux. We see many countries that this is kind of one of the main obstacles. Voilà, c'est l'un des obstacles. Any advices or Est-ce que vous avez des conseils par rapport au partage de données? Ou peut-être je pose la question à la mauvaise personne. Est-ce que vous m'entendez? J'étais en train de regarder mon directeur. Il se cache. Il se cache. Je le dis, comme vous venez de le dire, les problèmes liés aux données dans beaucoup de services nationaux, vous savez, ça devient un vrai défi. Lorsque c'est open source. Au Malawi, ce que nous faisons aujourd'hui, nous collaborons. Si je travaille avec l'Université de Malawi, avoir accès des données ne constituerait pas vraiment un problème pour eux, pour l'Université de Malawi, par exemple. Donc, nous encourageons vraiment la collaboration, parce que grâce à la collaboration, nous allons apprendre des uns et des autres et nous allons également, voilà, partager les données. Et si vous collaboriez avec le ministère de la Santé, c'est la même chose.
avec le ministère de la Santé, c'est la même chose, parce que nous savons que les données dont nous parlons, il s'agit d'un bien public. Alors, l'intention d'avoir accès à ces données, c'est, vous savez, c'est pour aider le grand public. Et les données sont gratuites. Est-ce qu'il y a des questions de la part de l'assistance? Sorry. Hi. It's a kind of follow-up because I was asking myself the same question if Je me posais la même question, s'il y a vraiment un cadre de collaboration entre le ministère, parce que nous voyons l'agriculture, il y a également le côté technique. Comment cela marche? Est-ce qu'il y a des instances d'information? Est-ce qu'il y a des cadres d'interopérabilité? Comment cela marche? Est-ce que vous intégrez cela d'abord dans le système de gestion des informations sanitaires avant de les partager avec d'autres? Est-ce que vous aurez vraiment un conseil à nous prodiguer par rapport aux leçons que vous avez apprises? Je pense que par rapport à la gouvernance, il y a différentes couches. Par exemple, par rapport à la collecte de données liées aux observations. Maintenant, avec les services météorologiques, il y a des centres et le ministère de la Santé contribue également à ce processus. Et ça fait partie du mécanisme de collecte de données. Et cela contribue au partage. Par ailleurs, avec le ministère de la Santé, il y a un mémorandum d'entente qui a été envoyé, qui est en cours de révision pour guider ce travail. Nous avons également parlé de la collaboration avec l'université. Maintenant, par rapport aux plateformes de données, il y a des plateformes de données. Vous savez, nous collectons des données à travers cette initiative. Il y a des moniteurs agricoles qui envoient des données au système de gestion d'informations nationaux et avec ces efforts, nous avons parlé de l'instance de DHSD. Nous essayons maintenant d'échanger les données entre machines en cas de besoin. Donc voilà. Merci beaucoup. Nous avons du mal à entendre la personne qui parle. Nous sommes désolés. Alors, nous essayons de répartir le temps de la manière la plus équitable possible. Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe mozambicaine. A very good morning. Greetings from across the mile from Mozambique, wishing all of you a very Bon après-midi, nous souhaitons des délibérations très enrichissantes. Je travaille au ministère de la Santé. Nous sommes tous prêts à discuter de DHIS2 ensemble. Je suis avec mon collègue du secteur de la santé. Je vais prendre juste 5 minutes et 30 minutes, et ce sera pour vous. Mesdames et messieurs, le monde a changé sa façon d'agir. Maintenant, c'est avec les effets du changement climatique que devrions-nous faire? Et à cause de cela, en tant que gouvernement, nous sommes accordés avec l'accord de Paris que nous devons vraiment commencer avec l'adaptation et l'atténuation. Donc, il y a des alertes précoces afin que les communautés puissent être résilientes. La résilience veut dire continuer à vivre malgré l'annonce de différents événements météorologiques extrêmes qui se profilent à l'horizon.
On ne peut pas, par exemple, déplacer le Mozambique pour le mettre sur un autre continent. Donc, nous essayons de voir comment gérer les situations. Je vais citer Darwin. Il a dit que c'est pas les personnes les plus intelligentes qui survivent. Les personnes qui survivent, c'est celles qui ont la capacité de s'adapter et nous sommes prêts à nous adapter. Si vous échouez à préparer, ça veut dire que vous vous préparez à échouer. Il y a les services météorologiques, il y a le secteur de la santé ensemble avec la communauté des HS2 et nous allons trouver une solution au problème. À cause de l'endroit où Mozambique se trouve, il y a beaucoup de problèmes de santé. Et il y a ce système d'alerte précoce afin que le gouvernement puisse être prêt et ainsi sauver la vie. Il y a les services météorologiques. Nous pensons que nous sommes l'institution qui produit les riches dans notre pays. Parce que sans le service météorologique, les autres secteurs ne pourront pas vraiment planifier. C'est pourquoi le gouvernement a accepté de travailler avec les services météorologiques. Chaque fois que les secteurs du gouvernement planifient, ils pensent aux objectifs de l'ONU. L'objectif numéro 3, ça concerne la santé et le bien-être. Mais pour y arriver, il faut qu'il y ait de la résilience. S'il y a, par exemple, des cyclones tropicaux, si les hôpitaux sont détruits, toutes les personnes en situation sinistre n'auront nulle part où aller. Donc, c'est pourquoi les objectifs sont interliés. Mais sans l'objectif numéro 13, tout le reste des objectifs des ODD n'ont aucun sens. C'est pourquoi nous intégrons les trois services afin de sauver les propriétés, mais également la vie. Vous savez, notre travail, c'est de donner des informations, des données au secteur de la santé. Et après, le secteur de la santé doit prendre des mesures en conséquence. Toutes les informations commencent au niveau des centres météorologiques et puis on les met dans la base de données afin que le secteur sanitaire puisse y avoir accès. Est-ce que c'est facile? Oui, c'est facile. Et mon collègue du Malawi a présenté ce défi. Nous avons dit qu'il faut envoyer ces informations au secteur de la santé. Disons que Mozambique a 150 centres météorologiques et l'intention du président de la République, c'est qu'il y ait un centre météorologique dans chaque district et ensemble avec la communauté. Nous aurons l'opportunité de collecter et les informations en utilisant le programme que vous utilisez. C'est ça le problème. Et la solution qui vient avec la communauté BHSD, c'est d'avoir des téléphones mobiles et d'autres technologies afin que les informations puissent partir des centres météorologiques pour aller directement dans les bases de données. Il y a des données qui sont sur papier et afin que les chercheurs puissent vraiment travailler, faire leur travail. Nous sommes en train de digitaliser, nous sommes dans la phase de transition numérique et il faut digitaliser, il faut numériser tout ça et ce sont des données qui sont très utiles. Expérience avec les systèmes d'alerte. Et précoce avec ces informations, nous pourrons fournir des informations au secteur de la santé
les paramètres dont ils ont besoin. Je ne sais pas ce qu'ils en font, mais ce que nous faisons, nous fournissons ces informations afin qu'ils puissent faire tout le travail pour, n'est-ce pas, combattre le paludisme, la diarrhée, le choléra. Voilà la dernière diapositive, les défis majeurs auxquels nous faisons face. Soutenir la collection des données climatiques et vision à partir des manuels, plutôt des stations météorologiques manuelles. Et puis le renforcement de capacités sur différents aspects liés au climat. Et pour ce qui est de la santé, je vais donner la parole à mon collègue afin que puisse continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais faire une présentation au nom de l'Institut national pour la santé au Mozambique. Je m'appelle Tatiane. Alors, notre institut a comme rôle ce que vous voyez sur l'écran, la recherche biomédicale, les systèmes de laboratoire, la communication, l'éducation, la formation, la surveillance et la réponse aux urgences et observation sanitaire. Il y a également des partenariats nationaux et internationaux pour la recherche et l'enseignement ainsi que des activités de santé publique. C'est la dernière présentation. Je serai très brève parce que tout a été dit par les autres pays. Je vais vous partager notre initiative dans l'Observatoire national pour la santé avec les activités qui lient le climat à la santé. Voilà comment notre Observatoire national pour la santé fonctionne. C'est notre cadre où nous utilisons les données qui viennent de différentes sources, les données qui atterrissent dans notre plateforme. Nous utilisons des données de routine et des données de surveillance liées à la santé. Nous utilisons également des rapports, des enquêtes, des données environnementales, des données liées à la société, des statistiques, tout, mais également des données liées au budget et à l'économie. Ces données atterrissent dans notre plateforme, donc l'Observatoire national pour la santé. Nous faisons beaucoup d'activités. D'abord, faire un état des lieux, et puis on analyse les tendances et on fait le suivi des indicateurs. Et puis, il y a la modélisation. Ici, nous analysons les risques, nous faisons la cartographie également. Il y a également des activités liées à la prédiction sur les impacts actuels et futurs. Et puis, il y a des produits analytiques qui peuvent être utilisés dans la prise de décision dans notre secteur. Je vais donner quelques exemples qui montrent ce que nous faisons par rapport à la cartographie des risques. Nous travaillons avec le bureau météorologique depuis 7 ans dans le domaine de la prévision, mais également le risque lié à le risque de crise de paludisme, mais également de diarrhée. Voilà la carte que nous avons développée depuis 2018. Il y a 2018-2019 qui n'est pas là. Donc, voilà, ce sont des cartes que nous avons développées. En 2018-2019, la carte concernait seulement le paludisme, mais depuis, voilà. C'est sur des maladies, la diarrhée et le paludisme.
Et cette semaine, nous allons évaluer. Il y a une, vous savez, une réunion le vendredi pour évaluer nos prévisions par rapport au risque de crise de paludisme ou d'épidémie de paludisme. Et donc, c'est un modèle où nous utilisons les données démographiques et les données météorologiques, on les combine avec des modèles mathématiques. Et jusqu'ici, c'est au niveau provincial que nous utilisons ces cartes. Nous sommes en train de travailler dur pour que ces cartes puissent être utilisées au niveau des districts. Voilà, c'est là de cartographier les risques à long terme. Et ce que vous voyez maintenant, c'est à court terme. Nous sommes en train de travailler avec l'OMS pour, n'est-ce pas, avoir des prévisions liées au paludisme. Et jusqu'à 10 semaines à l'avance par rapport à l'épidémie du paludisme, et c'est beaucoup plus local. Donc, c'est notre cartographie de risque à court terme. Et j'aime vraiment cette activité. On a déjà publié la première évaluation d'adaptabilité. On fait la triangulation de données. On l'a fait au Mozambique. Non seulement utiliser les données climatiques, et les données climatiques sont très pertinentes pour ce genre de travail, mais nous avons déjà utilisé des données sociales et démographiques. Nous combinons dans cette formule, nous les combinons dans cette formule pour calculer l'indice de vulnérabilité sanitaire à chaque district. Ça a été fait en 2019. C'était 190 districts et nous avons maintenant cet indice pour tous les districts du Mozambique. Et nous allons mettre à jour cela après 5 ans, c'est-à-dire en 2024. Donc nous avons déjà l'indice et comme vous pouvez le voir, donc c'est sans en parler Alberto, il a parlé de l'adaptation, vous pouvez le voir au Mozambique, au niveau de la deuxième carte, vous voyez que c'est vraiment rouge à travers le pays, et nous avons des capacités d'adaptabilité vraiment qui ne sont pas du tout élevées. En fait, c'est la chose que nous voulons vraiment changer. Nous devons travailler ensemble pour changer notre capacité afin de nous adapter au changement climatique, parce que toutes les données que nous utilisons, c'est par rapport aux professionnels de la santé que nous avons. C'est également lié à la préparation, au budget du secteur de la santé, l'accès aux établissements sanitaires. Donc, c'est l'un des facteurs que nous aimerions changer. Voilà. Alors, il y a un travail très intéressant qui a été abattu, mais il y a également des défis. Et certains de ces défis ont déjà été mentionnés en termes de données. Beaucoup de pays ont déjà indiqué que le partage de données et l'accès aux données constituent vraiment un problème, et en particulier la qualité de données. C'est vraiment un problème pertinent. Il y a également un problème de ressources, avoir des équipements, des matériels et adéquats. C'est également un défi à prendre en compte. Et il y a le renforcement de capacités, non seulement pour le secteur de la santé, mais également pour les centres météorologiques au niveau local, ceux qui vont, n'est-ce pas, initier les interventions au niveau local, mais également la durabilité. Nous ne voulons pas investir dans de nouveaux systèmes parce qu'il y a des systèmes qui sont déjà en place. Et donc, nous devons tirer profit des systèmes qui existent déjà. Mais bien sûr, nous avons besoin de fonds pour tirer profit des systèmes que nous avons en place. Maintenant, par rapport aux solutions,
que nous avons pour faire face à ces défis. Il y a DHIS2, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Sur la perspective de EOS Architecture. Donc, il y a beaucoup de données qui sont importées dans le système, qui viennent de différentes sources, données liées à différents incidents au niveau local, données climatiques, et c'est toute une chaîne d'informations et de systèmes de communication qui contiennent beaucoup de données qui peuvent, n'est-ce pas, identifier à l'avance des événements non voulus. On peut avoir des notifications en utilisant des plateformes mobiles et on peut les envoyer directement aux utilisateurs au niveau de la communauté. En plus, des tables de bord très intéressantes qui peuvent être fournies. L'intention de ces systèmes d'alerte précoce, c'est d'intégrer dans le système de gestion des formations sanitaires pour gérer, prévenir, atténuer et fournir la réponse aux risques et aux crises. Maintenant, tirer profit du projet de Wellcome Trust, c'est ce que nous, voilà, nous anticipons par rapport à ce que nous avons déjà initié dans notre pays, mettre en place un repositoire central pour les données climatiques, il y a un hub, améliorer la collecte des données météorologiques à partir des centres météorologiques, c'est quelque chose qui est déjà en marche. Et comme je l'ai déjà mentionné, l'application climatique de DHS2 est exécutée et utilisée. Et développer cette couche d'interopérabilité qui permettra les données météorologiques, aux données météorologiques d'être partagées avec les partenaires clés du secteur de la santé. Développer un mécanisme innovatif et digital pour le partage d'informations produites par les modèles climatiques dans les plateformes DHSD du ministère de la Santé et enfin collaborer dans les test chats, mais également utiliser des outils de modélisation qui ont été implémentés. Et donc, c'est ce que nous espérons. Nous espérons avoir à notre disposition et nous espérons que notre pays pourra tirer profit de ce projet de Wellcome Trust. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions pour Tatiana? Yes, but is it okay? Yeah, well, the question is coming then. Yeah. Alors, la question. Il y a déjà une question qui a été envoyée aux collègues du Malawi par rapport au partage de données. C'est vraiment un problème à ne pas prendre à la légère. This is the big problem in the developing countries. Why? C'est un problème dans les pays en voie de développement. Pourquoi? Parce que dû au manque de fonds, de budget annuel pour les services météorologiques, nous dépendons de la vente des données pour pouvoir, n'est-ce pas, payer les activités liées à la collecte de données. Donc, on utilise les données brutes et puis on produit et on vend les données. Mais l'Organisation mondiale météorologique, dont fait partie, dont sont membres tous les partis, nous avons parlé, nous avons abordé la question de partage de données. Tous les pays ont accepté qu'il y a vraiment la nécessité de partager les données avec tous les partenaires. Comme je l'ai dit, nous avons
décidé à Paris et de nous adapter. Donc, vous ne pouvez pas vous adapter, vous ne pouvez pas vraiment avoir des systèmes d'alerte précoce sans avoir accès aux données. Mais chaque pays a ses propres politiques liées aux données. Et c'est là où commence le problème. Et pour surmonter ce genre de problème, chaque directeur de service météorologique, c'est un représentant permanent de son pays au niveau de l'Organisation météorologique mondiale qui a le pouvoir de décider si les données doivent être partagées ou pas, ou peuvent être partagées ou pas. Donc, nous allons vous donner des données, mais ne les vendez pas. Il y a un mémorandum d'entente qui a été signé, donc, mais ne vendez pas les données. Et si vous les vendez, nous allons arrêter la collaboration. Donc il y a un mémorandum d'entente entre institutions sur le partage de données. Merci beaucoup pour votre présentation intéressante. Et j'ai une question pour Tatiana. Je suis impressionné par rapport à la cartographie de risque que vous avez faite. Ma question, c'est par rapport à l'utilisation de ces données. Comment cela marche? Est-ce que vous avez un mécanisme vraiment spécifique pour vérifier ces données et ainsi éclairer les mesures et les décisions qui sont prises? Est-ce que c'est seulement au niveau du secteur de la santé où il y a une espèce de collaboration entre différents secteurs pour utiliser ces données? Merci. Merci pour la question et pour les compliments par rapport à notre travail. Un travail, ça fait 8 ans qu'on y travaille. Par rapport à l'utilisation des données, d'abord, elles sont utilisées par le secteur de la santé. Lors de notre atelier, j'ai dit hier que nous avons mis beaucoup de temps sur l'organisation de données, parce que ce sont des données qui nous arrivent sous différents formats, les données climatiques, les données démographiques et sociales, et donc même des données qui viennent de notre propre secteur. Donc, nous avons vraiment mis beaucoup de temps afin de bien organiser ces données. Et après, il y a eu ce forum au cours de laquelle, vous savez, chaque année, et nous sommes invités par le bureau météorologique. Il y a beaucoup de secteurs, le secteur de l'eau, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'énergie. Beaucoup de secteurs y prennent part. Et nous sommes dans la même salle pour 2-3 jours. Nous essayons d'analyser les prévisions météo et nous essayons de faire nos pronostics pour nos propres secteurs. Donc, lors de ces forats, les données sont partagées et lorsque les prévisions sortent, ces données deviennent disponibles pour le grand public. Alors, tout le monde peut utiliser ces données. Bien sûr, elles doivent être traduites pour chaque secteur afin de soutenir le plan B. Et elles sont également utilisées pour la planification au niveau local. Voilà, c'est comme ça que ça marche, ça fonctionne pour chaque année. Et vous savez, ça a été un défi parce qu'avant, les questions liées au climat n'étaient pas prises en compte. Mais maintenant, c'est pris en compte et on m'appelle pour me demander les cartes. Et donc, c'est très utile pour différents secteurs. Voilà. Part of my question has been asked and maybe partially of addressed, but I want to understand a scenario where you averted impact for health, for example. Merci beaucoup. Vous avez répondu à une partie de ma question pour l'intégration
et tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, il y a 5 cartographies. Est-ce qu'il y a un cas ou un scénario où vous avez réussi à éviter ou certaines situations où informer le secteur de la santé par rapport à une question de paludisme ou bien éviter une épidémie de choléra? Ou l'autre question, c'est pour les trois catégories de personnes qui ont présenté. Il y a les données météorologiques dans nos pays. Comment est-ce qu'eux aussi peuvent bénéficier de cette application pour pouvoir éviter ces types d'événements imprévus? Pour la deuxième question, je crois que ça nous concerne. Je crois que c'est à vous. Est-ce que vous voulez y répondre? Malheureusement, nous n'entendons pas la réponse de l'orateur. So this will be until you work on the with the Ministry of Metrology within your country. This is a very good starting point, and the quality of the data is also quite good. So please come to the session, and we will tell you all you know. And then data is from 1960 onwards. Les données sont enregistrées, n'est-ce pas? Alors pas de souci. En attendant le partage des données, on peut essayer de se baser sur ce que nous avons déjà, sur les acquis. Il y a une partie de la question qui n'a pas été répondue. Non, c'est bon. J'ai une question. Je suis intrigué par la cartographie des risques, surtout pour le paludisme. Je vois qu'il y a plusieurs cartographies. J'aimerais te savoir. J'aimerais connaître la méthodologie qui est utilisée. Quel type de données avez-vous utilisé? Et également, par rapport au climat, vous avez utilisé des données de prévision. J'aimerais bien comprendre la procédure, comment vous avez fait pour faire les prévisions par rapport au climat. C'est ce qui m'intrigue un tantinet. Je crois que l'heure est déjà dépassée. Nous entrons dans la session de réseautage. Mais bon, si vous pouvez répondre rapidement à cette question, ce serait bien parce que nous entrons dans la session de réseautage. Il y a la pause café également, les boissons, une question de réseautage. Il y a du jus et du café, des entremets. S'il y a d'autres questions, je crois que durant la séance du réseautage, on peut échanger. Donc, merci à tous. C'était une bonne session. Il y a beaucoup de présentations. Je vous remercie et tous. Merci vraiment du fond du cœur. Et on se retrouve demain pour les autres sessions.